Salut YouTube, on est sur la 23 ou 24e vidéo. On va aller buter les hippopotames en bas, c'est parti. Du coup on peut descendre facilement là par là. Roulade. Ah ouais, mais en fait c'est beaucoup plus abordable là, une descente comme ça. Où t'as pas de trou pour mourir. Salut Canute. Bonjour Ribo. Perso je le trouve le DLC crescendo en difficulté. Mais avec les esquilles ça va. Le seul truc chiant pour moi, c'est de repérer sur la carte avec la verticalité. Oui, j'avoue qu'ils auraient dû mettre une carte de profil. Un petit peu de profil, quoi. Ça aurait été pas mal. Ouais, en fait, c'est méga safe de descendre par là. Allez, où ? Ça part à un hippopotame. Let's go. C'est vrai que Dark Souls se jouait sans carte. C'est vrai. Oh, ce rappel à l'ordre qui est tellement efficace. Ah non, mais c'est vrai. Dark Souls, pas de carte. Le premier, là. Oh. Mentalement, là, pour se repérer, à l'aide. Hein. Salut le chevalier du creuset, coucou. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr, ça ajoute du piment, hein, de pas apprécier la verticalité. Ah bah moi je me régale, attention, 100 sur 100 sur la carte. Sekiro, tu t'es paumé, hein, Sekiro, moi pareil. Allez, on va aller le gêner un peu lui. Ah mais c'est un boss carrément. C'est un gros boss, non? Ah ouais, franchement. Vous vous rendez compte quand même qu'on est sur un jeu qui est vendu 40 balles. C'est un DLC qui est vendu 40 balles, qui est pour moi, il est beaucoup plus complet que... Que des jeux normaux qui sont vendus 70 boules. Hein. Pour le coup, là, FromSoft, ils se sont pas foutus de notre gueule. Hein. J'avoue que 39 euros, un prix psychologique, c'est mieux que 40. On va se buffer fort là, parce que lui, à l'aide. Hein. Je pense que le stun, c'est la clé. Putain. Je me recule un peu, mec. Ah, il m'a vu. Super. Ah mais c'est un petit. Oh je l'ai raté. C'est un petit. On va se soigner peut-être. Si on a le temps quoi. Après ils sont mieux de cette taille je trouve. Que le boss qu'on a eu dans le château noir. Dans le château noir je trouve qu'il est un peu trop gros en fait. Ce weapon art. Ah. Ah bon. C'était le riboceros, c'est ça. Le ripopotame. Ribopotame. Qu'est-ce que t'as mis sur Twitter? Ben vas-y. Putain. Bon même. Bon même Jacques. Barre de vie cruellement haute. Tu n'as même pas besoin de bien jouer, perso. Overlevel, je prends aucun plaisir à regarder. Tu passes à côté du jeu. Putain. Vous me faites rire. Hein. Je dois m'excuser d'avoir 100% le jeu avant le DLC. De bien opti mon perso. Une run découverte, pas une run challenge. Je vais retourner sur le DLC plusieurs fois en testant des challenges. Mais perso, mon plaisir sur une découverte, c'est de découvrir le monde. Je suis tout à fait d'accord. Cinématique, approfondir le lore, découvrir les nouvelles armes. Explorer la totalité de la zone. Si ça te plaît de te faire détruire en boucle sur des boss, eh bien bravo à toi. Les moralisateurs des FromSoft, vous êtes vraiment les pires engeances de cette communauté.
laisser les gens jouer et profiter du DLC comme ils en ont envie. Et B, bien joué. Putain, ils sont infernaux. Hein. Ils sont infernaux. Attends, c'est quoi le gars? C'est bien de laisser les pseudos. Moi, je les laisse aussi maintenant, les pseudos. Corbac 4673. Bah déjà, il porte bien son nom, hein, le corbeau. Franchement. Bah c'est ce qu'on disait hier. C'est fin, tu vois. On disait pour profiter de la découverte du DLC et tout, c'est quand même con de se lancer dans un DLC en RL1, NG7, tu vois. Insupportable, ouais. Mais tu sais, sur YouTube, là, sur YouTube, c'est... Les gens, ils ont été finis. Il y en a certains, ils ont été finis au caca, quoi. Hein, franchement. Hein. Et même, tu prends la peine de répondre. Mais c'est bien parce que finalement, tu montres aussi aux autres qui sont comme lui que... Il va se heurter à un mur si t'as les mêmes commentaires, mais t'as les mecs. Le mec, c'est Rivière Sanglante d'il y a 2 ans et demi, quoi. Ça a vu un tuto build et puis ça, c'est tout du jeu. Oh merde! Salut Paula, coucou Paula sur Twitch Rouge. Ah, ça fait chier de l'avoir raté là. C'est pour chercher la merde, ouais. Relon NG7. Je prends de la magie depuis tout à l'heure, hein, au lieu de me soigner. Putain, à chaque fois je le loupe comme ça. Allez, c'est fini. Moi, je les affiche aussi maintenant, les gens qui me cassent les couilles sur mes réseaux, là, en commentaire ou quoi. Les mecs qui prennent leurs aises à te dire « Ouais, tu joues comme une merde avec ta magie et tout. » Allez voir, si vous pouvez, allez voir mon TikTok épinglé, j'ai fait 500 000 vues. C'est comment je one-shot, vraiment one-shot no hit, le commandant Nial. Et en gros, lisez les commentaires. C'est affligeant, les commentaires. T'as commencé des quêtes ou pas? Je suis tellement à la rue niveau 4. Non, si, je sais. Alors, j'en ai commencé une. J'en ai commencé une ici, à la cathédrale de Manus Métir, mais apparemment, j'ai pas débloqué la suite pour pouvoir voir la suite. J'ai buté, malheureusement. Le marchand ici, là, ben Moore, donc j'ai son armure. Alors je l'ai buté, mais c'est pas ma faute. Ben voilà, il s'est passé un truc qui a fait que j'ai dû le tuer. Et après, ben, j'ai rencontré ici. Ici, j'ai rencontré un moine, Dan Mortefeuille. D'ailleurs, j'ai eu un seau et la tenue. Peut-être que si je m'habille en Mortefeuille. Il va me donner le chapeau. Ah, attendez, on va tester ça. Merci RR Cyborg pour le follow. Pour le sub, dis donc, que dis-je? Abonne-toi! J'ai eu une tenue, non? Il faut que je mette toutes les vieilles tenues au placard. Attends, fais voir comment elle est. J'ai eu la tenue, hein, je sais que j'ai eu la tenue. C'est ça. Robe, bande et botte. Fais voir. Non, mais j'ai pas le casque, c'est bizarre. Ah merde, t'as buté un PNJ sans faire exprès. Mais on a peut-être buté le même, non? Je l'ai buté, mais c'est pas ma faute, madame, je le jure. Non, mais c'est vrai, je l'ai buté, mais... Il était là, il m'a envahi, et je l'ai tué, quoi. Putain, Mortefeuille. C'est dur à trouver, les trucs, là. Mortefeuille et les jambières. Mesmer. C'est une robe. Mortefeuille. J'enlève mon casque peut-être. Je peux ranger mon arme. C'est trop stylé. Il vous fait pas penser à la classe de foi, là, de radiance dans Lord of the Fallen, lui, là. Salut Volkov.
Non, toujours pas fini, non. Je prends mon temps, de ouf. Putain, il veut pas me parler. Attends, mais j'ai eu un saut aussi, je crois. Peut-être j'ai pas assez de foi. Peut-être j'ai pas assez de level en foi. Attends, et si je fais un sortilège devant lui? Genre ça. Ça, c'est de la foi, c'est sûr. Hein. Chier. Faut que je refoute toute mon armure, du coup. Trop de balles. On est d'accord que c'est la plus belle armure du jeu, ça. Elle est trop belle, cette armure. Elle est trop jolie. Bon, on retourne là-bas aux hippopotames. Mais je me suis TP. Oh, quel cake. Putain, mais tous ceux qui l'ont fini en 2-3 jours, vraiment, je sais pas comment ils ont fait. Ouais, franchement, je sais pas non plus. Parce que déjà, même en termes de difficulté, c'est quand même énervé. Hein. Donc, difficulté plus les zones, les quêtes, la totale et compagnie, à l'aide. Hein. Je pense que, oui, je pense qu'ils ont clairement raté beaucoup de choses. Hein. Bah après, c'est bien parce que tu peux le refaire un petit peu plus à tête reposée. Tu connais déjà certaines zones et tout. Tu peux tanker Jean-Michel Kevin René qui te dit « T'as fait ça ?» Armure pomme de pin, ouais. C'est exactement ça. On peut descendre en... Oula, poule. On peut descendre encore, là ? Non mais attends, mais ça va où, là ? Ça va où, cette zone, là ? Putain, mais j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire ce matin. Ce matin, je voulais faire la zone là-haut, là. Et finalement, je suis paumé dans des endroits que je pourrais même pas y retourner, si je voulais. De toute façon, j'ai pas vu passer Kema, j'ai pas vu ton message. La modération est aux aguets. Salut, Jududu. Comment ça va, Jududu? Et Slade Crackers, je t'ai pas dit bonjour, je crois. Oui, Moore, il fait penser à Havel de fou. Il fait penser à Havel de dingue. Voilà, là. Mais je suis sur un truc en bas, là. Non, c'est la mort, c'est l'océan. Putain, mais que c'est beau, même ça, c'est beau. Attendez, on va essayer de descendre avec les pierres tombales, là. T'inquiète, Clary, aucun souci. Il m'énerve à pas répondre. Imagine, ça se trouve, faut le tabasser. Ça se trouve, c'est ça qu'il faut faire. C'est loin, les pierres tombales, là. C'est au bout, non? C'est à la cascade. Au boulot, mais flemme de bosser. Moi, j'ai posé. J'ai posé. Pour le DLC, j'ai posé des jours. Sinon, au niveau santé, c'était impossible de faire... DLC et boulot, c'était pas possible. Bah, je pense qu'il doit falloir récupérer un truc quelque part. Hein. Oh non, reviens là! La catacombe du cul, non? C'est la catacombe du cul! Du cul de ces grands morts. Celle où je me suis battu contre justement le chevalier de la mort, non? T'en fais voir, ça doit être par là, là. Alors, je suis pas du tout là, non? Sur la map? Oh non. Une catacombe. Oh non, elles sont horribles. Ah, les catacombes et les geôles dans ce DLC, c'est atomique. Atomique. Comment ça s'appelle? Ah, je peux pas ouvrir la map. La catacombe de la lumière noire. À l'aide. À l'aide. Envie de canner. Envie de dépop. Tu l'as faite, cette catacombe, Romain? Ah ouais? Oh. Ah, je peux améliorer mes levels. Bon, je vais pas le faire pour le moment. Non. 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 Et là, bam, ça s'ouvre et le boss. Oh non. Non, pas eux. Un Muguet 5, non mais sans deck, quoi. Essayez de dire quelque chose pour voir.
Non. Après, le nom, quand même, catacombe de la lumière noire, ça pue. Hein. Ça pue fort. Hein. Bonne chance, monseigneur. Merci, faiseur de pêche. Pan, pardon, j'ai résisté au troll. Désolé. Salut Stargan, coucou. Quelle heure il est là? Putain, c'est déjà 11h50. Ah bah ça va, je trimpe pas trop longtemps. Salut Jeff Parcours, coucou. Wouah, je t'ai vu. Oh, je les déteste. On va passer par là. Eux, c'est les pires mobs ever, ceux-là, là. Oh, 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 poisson Sacha. Bon, on fait chier la caméra. La caméra, bordel. Bon app, Kalia. Ah non, t'as mangé. Re, Kalia. Attends, je vois écrit bon app. À l'aide, pourquoi j'ai tiré celui-là? Oh, trop bien. J'ai mis la lumière. Oh non. Oh non, j'en ai pour 2h15. Oh non. Oh non. Non. Ah, tu manges après? T'as pris quoi à bouffer? J'aimerais tellement qu'on me nourrisse hein, pendant que je suis en train de jouer. Attends, fais voir, je peux aller là. Je peux mourir là. J'aurais pas dû aller là. Si, ben si, ben si, ben si, ben si. Là, du coup. Mais voilà! Et là, le coffre! Et c'est pour moi! Mais non! Oh, c'est une tête de chouette! Vous avez vu sur le médaillon? Ça fait une tête de chouette, ou c'est moi? Médaillon d'ambre vert, émeraude plus 3. Oh là là! C'est dommage qu'on ait pas des slots en plus de talisman. Mais il y a la place. Il y a la place aussi pour un autre bout d'armure. Peut-être une coquille pour le zizi. Un petit hibou. Voyons voir. Ça monte beaucoup. Ouais, ça c'est un peu merguez. Ça par contre c'est fort. Hein. Une coquille. Un truc pour le fessier. Bon ben voilà. Et merde. Mais non, mais ça revient. Mais ça revient encore. La purification par le feu. Moi, j'ai peur de tout. Ce serait fade. C'est vrai, Clary. Oh putain, merci, c'est gentil. Peut-être qu'ils l'ont fait, hein, Pepsi. Alors là, ça a l'air d'être la suite. Je suis terrorisé. Imaginez, faut tomber là. À l'aide. Merci. Allez, une arme. Mais connard, mais j'en ai quoi à foutre d'un Mugéen? Ça, par contre, c'est pas normal, quoi. Voilà, bouffe. Pardon. Salut, Forza. J'espère que tu te régales. Ouais, franchement, c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop cool. Je suis un pamoison devant le level design de ce DLC. Je trouve ça trop bien. C'est vraiment trop, 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 trop cool. Essaye de pas le finir trop vite parce qu'après je vais culpabiliser à me dire ouais, non, mais mec, tu l'as fini trop vite et tout. Donc je profite. C'est vraiment trop bien. On fait une run archéologue avec Rivo. Ah, c'est ça. Pourquoi je me suis accroupi? Et là, je vais où? Ah, je reviens ici. Trop bien. D'accord, ok. Heureusement que je me repère dans l'espace et le temps. Vraiment, hein. Attendez, on va quand même tester ça, voir. Ok. Je sais pas si ça fonctionne dans les petits espaces... Enfin, dans les grands espaces comme ça. Je sais pas s'il y a une zone d'effet de l'entrave. Après, on a déjà vu que ça fonctionnait, du coup. Sur l'espèce de truc qu'on a trouvé, là. Et donc, moi, c'est par là. Ok. On va aller voir ici.
Par contre, je trouve qu'il y a un travail qui a été fait sur les catacombes et les grottes et les ruines d'ailleurs qui sont des nouveaux trucs. Il y a un travail qui a été qui est monstrueux, je trouve. Ok, donc on peut pas descendre. Il n'y a pas d'étage intermédiaire. Okay. Et merci à Xarmog pour le sub. 13 mois, dis donc Xarmog. Merci beaucoup. Il y a une certaine limite de distance, d'accord. Moi je le fais à chaque fois. Hein. Il y a qui fait 2 mètres, tu sais. T'as trouvé la blasphématoire ? Allez. Toujours plus. Il y a le levier là-bas. Non mais sérieux, la taille du truc. Mais je vais où ? C'est une catacombe. Je sens que je vais vraiment dans les profondeurs de la terre là. Oh, oh là là. Heureusement, il n'y a pas trop d'ennemis. Oh bordel. Non ! Quand est-ce qu'on débloque ces sortilèges là, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi votre sortilège. Non mais attends, je vais pas faire toute la catacombe avec ce mec. Quoi versus magie, on va faire. Parti. Moi j'ai quand même des sortilèges. La bouffe. Voilà. J'avais pas vu venir celle-là. Et je vais prendre du coup... Ah, j'ai plus mon seau de mesmer. On va se le remettre. Hop, hop, hop. Et du coup... qu'est-ce que je peux utiliser? Ça target un peu. Je pense qu'il craint le feu, lui, là. On va le purifier. Voilà. Là, je te purifie, mec. N'hésite pas à mourir, hein. Voilà. Vous la sentez venir, la vidéo du build du build magicac, wakak même. Salut la cantina du Wookie. Coucou. C'est quoi ce pseudo goldé, quoi? Ouf. Je sens que je vais me faire one shot par un truc. Oh! Vous vouliez la cacher, mais c'est raté. Je vais me faire OS à mon avis. Oh, pas lui. Ah ouais, je suis chaud, Chico. Si tu trouves des trucs intéressants. Oh! Ça... Ah, si, ça va vers l'arrière. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a à explorer, c'est monstrueux. Attendez, on va peut-être essayer de mettre la lumière, non? Ça doit être à l'échelle, à mon avis, vu que c'est plus haut le levier. Là, déjà, on est pas mal, hein, parce que regardez, j'ai le saut de Mesmer qui augmente les dégâts des sortilèges de feu dans les talismans. Hop, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un qui m'augmente les dégâts de feu. Puissance du magma. Je sais plus lequel c'est. Ouais, après avoir vaincu un ennemi, ça c'est les coups critiques. Ouais bon. On cherchera plus tard. On va peut-être aller prendre l'autre échelle. J'adore le fait qu'ils aient pas repris les catacombes. Ouais, moi pareil. Mais quand tu vois la map Vanilla... Le fait qu'elle soit... Elle est longue, en fait. Elle est plate. Versus là, où c'est, en fait, un cylindre. C'est quand même... Oh non, non. Pas, moi, je veux pas des mines à la Minecraft optimisée. C'est fou, le travail qu'ils ont fait. Ah ben voilà, c'était sûr. C'était sûr. Allez, hop, la lumière. T'as l'objet là-bas qui me trigger de fou. Ok. Oh, il y a une échelle. Oh, il y avait un report tout ce temps. Allons-y. Hop. En avant. Putain, elle est géniale, cette catacombe. Elle est trop cool. Mais même la première que j'ai faite, bon, même si je me suis fait vraiment tabasser, elle était très, très cool aussi. Et là, il y a une échelle, ok. Nickel. Alors, c'est quoi l'objet?
Salut Dixep, coucou. Salut à ceux qui arrivent. Je pense que vous êtes en pause déj tous là. Oh non, mais ils ont pas le droit de faire ça. Merde pas. Ah ouais, la map. La map, c'est le boss du jeu. La map, c'est un boss. On va essayer d'aller là. Je suis trop chaud. Étage intermédiaire. Oh putain! Ils déconnent zéro, eux. Ils déconnent zéro. Allez, donne-moi des trucs. Oh putain! L'armure du chevalier de la mort de ses morts! Attendez, il faut qu'on la teste. Oh, ça fait un truc. Améliore les compétences et les incantations du culte de la capitale dévouée aux dragons anciens. Ah oui, c'est une armure qui augmente les dégâts de feu. C'est ça que j'ai trouvé. L'armure de ses morts. Chevalier de la mort. Améliore les compétences et incantations du culte de la capitale, dévoué aux dragons anciens. Waouh. Trop stylé. Hein. Oh. Tu peux faire RP. Ah ouais, voilà. Stylé. Putain, je suis trop. Je suis trop content. Ce DLC, c'est goldé, quoi. C'est trop bien. Par contre, pour porter les armures, s'ils font du randomizer des deux DLC, enfin du DLC et du vanilla mélangé, pour porter les armures, ça va être coton. Hein. Allez, vraiment stylé cette armure. Hein. Allez hop, on va aller par là pour voir. Hop, une échelle. Ça c'est les devs qui en avaient. Là ils avaient le cerveau qui marchait plus pour faire des vrais chemins. Ils ont mis une échelle. Eh hey, mec, mets une échelle. Ah oh, ouais, t'as raison. Merde. Ah bon? Ah ouais? Effigie de Marika. Ils ont mis des saves dans le truc? Ah ouais, ouf. Au début. On est d'accord, je suis au début. On y retourne, c'était pas très loin. Ouais. Au moins, je suis full life. Hein. Je suis sûr on peut passer comme ça. Je suis sûr on peut passer là en sautant, à mon avis. Je le tente, je m'en fous. Ah non, je vais perdre mes runes. Je m'en fous pas. Mais je suis sûr on peut sauter dans le trou. Mais meurs en fait, meurs. Ah ouais là, salut Nayorix, coucou. Vous ne passerez pas, ouais. Oh, putain, t'as vu les dégâts Dragon, t'as vu ce qu'il m'a foutu. Oh, c'est incroyable, on dirait un mélange de sorts de cristal. Avec, bah du coup, avec des ténèbres dessus. C'est quoi cette armure incroyable? Putain, je suis dégoûté, il y avait cette émote sur Twitch depuis le début. Et la mienne, elle est nulle du coup. Elle est non utilisée. Waouh, mais en fait, t'es obligé de prendre les dégâts là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? Oh, Mugen 9. Ok, d'accord. Ouais. Attendez, on va mettre la petite torche. Ok. Je pense que ça relie l'autre partie, en fait.
putain, ils les ont laissés, eux. Ils ont bien compris que c'était des saloperies, ces trucs. Ils les ont laissés. Là, il y a une échelle. Je pense que j'arrive par là, non? Avec le... Il n'y avait pas un ascenseur que j'ai pas pris. Putain, je suis paumé. Je suis perdu. Salut, Papa Station. Comment ça va? J'ai loupé l'armure. Ah! Là, il y a encore une échelle. Mais là, je reviens dans la lumière, donc ça doit être... À mon avis, c'est le retour, là, que je fais. C'est quoi? Non, ils sont pas... Enfin, ils sont... Si, ils sont dans le jeu Vanilla, ceux-là, mais... Ils ont pas la... Ils ont pas les mêmes armes, pas la même tête et pas le même moveset, en fait. Et donc là, si j'arrive ici... Ok, bah c'est bon. Ok, je reviens... Je reviens là où j'étais tout à l'heure. Donc, parfait. Je sais pas si là, celui-ci, je le tente. Ouais, si, c'est bon. C'est just. Allez, on est pas mal, je suis full life, quasi. Salut Lenlen, coucou. Bah ça va bien, écoute Lenlen. Je me régale. Je me régale et merci à Stergan56 pour les 2 mois. Bon, bah dis donc. Merci beaucoup. Quel jeu. J'ai 208 000. Ah ouais. 208 000, c'est un level, hein. Mais non. J'ai cru. J'ai cru qu'il y avait une porte ouverte là. Imaginez. Ah, je sais pas, Mia. Je sais pas trop combien de temps je vais streamer. Je pense au moins jusqu'à 13h30. Oh putain, le canon qui va me OS. À l'aide. Non. Je veux pas. Je veux pas y aller. Oh putain. Ah. Je suis coincé. Il peut passer là le truc? Oui. Merde. Mais merde, putain, c'était OTK. Ah. Il peut m'avoir là d'ici? Putain, il le garde lui. Ça vous fait pas penser à TOTK là pour ceux qui ont fait TOTK? Oh putain, c'est des météorites à la géante de feu quoi. Moi je le tue ce mec. Ah, il y a un objet là-bas, j'y vais. Le loot! Ouais, j'avoue, fouiller 5 minutes pour trouver une pierre de forgeron. Oh non, le petit. Je suis mort. Pire. Je prends ça. Mais non, mais... C'est de la blague ou quoi? Mais non. Mais merde. Je vais aller voir là. Oh non, mais il y a trop d'endroits. Il y a trop de trucs là. Re Antoine. On se régale, Antoine. On se régale. Ah, au moins j'ai mis la lumière. Ça, c'est cool. Non, mais j'ai éteint. Ah non, c'est bon. Re, ouais, ça va bien, Antoine. On est dans une catacombe de merde. Regarde-moi ça. Mais merde! En plus, ça re-explose derrière. C'est par là, là. Ah non, c'est des trucs pour se safeiser. Ok. Attends, de l'autre côté, il y a peut-être un chemin. Encore un camion poubelle, je pense que c'est le 700e de la journée. Camion poubelle quoi. Qui dit ça? C'est un peu comme un fromage blanc pour le coup. Putain, mais les camions poubelle. Mais attends, il m'a suivi. Ah non, mais je l'ai fait descendre, ok.
Tranquille. J'ai deux soins. J'ai re-éteint ? Tu déconnes. Après. Ah ben voilà. Je pensais pas que ça marchait dans les deux sens. Ah ben on voit plus clair quand même. Salut Ultimanu, coucou. Comment ça va Ultimanu? Quelle histoire ce DLC, quelle histoire. Et là, si je descends, c'est fini pour moi, donc attendez. Je vais aller voir là. Putain, mais la catacombe, quoi. Ça, c'est de la catacombe. Ah ouais. Ça, c'est vraiment pour se faire démolir. En gros, tu lui mets... Tu lui donnes une bonne raison de te flinguer, là, le truc. Hop. Mais non, mais arrêtez. Arrêtez, les muguets. Il y a un escalier en bas, là. Il y a un escalier juste ici. L'avatar de l'arbre occulte est mort. Là, hier, ouais. Quel jeu. Attendez. Ouais, je vais aller là-bas du coup. Récupérer le coffre. De toute façon, quand tu vois un coffre, il faut y aller. C'est ce que j'ai appris dans les From Software, faut courir tout droit vers le coffre. Ouais, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé l'avatar de l'arbre occulte. J'ai trouvé que c'était un bon boss. Je trouve que même en règle générale, je trouve que les boss sont vraiment quand même bien, bien travaillés. Il y en a qui sont faciles. Ça m'étonne un peu. Genre Mesmer. Mais l'avatar, il est quand même vachement mieux que les avatars qu'on a dans le jeu de base. Quoi. Salut Samurai Pizza Chat. Et voilà. Ah, ça c'est cool. Cendre diablotin à grande gueule. En vrai, ça doit être bien de les invoquer, ceux-là. Ouais, le futur muguet, les futurs... Après, on va avoir plein de pierres de forge, du coup. Vu tout ce qu'on a récupéré comme pierres de forge, j'avais 80 pierres de forge 2 la dernière fois, ou 4, je sais pas. En plus, on est tout le temps en train de chercher les 4. Ok, nickel. Je pense que je la ponce, la catacombe, là. Je suis en train de faire le 100%, là. Ouais. Non, mais encore ! Toujours plus bas, quoi. Salut Elite. Ouais, pour le rando, c'est cool, les pierres de forge, hein, je suis d'accord. Hein. Ouais, je vais ressortir en Australie, j'avoue. Je regarde toujours, on sait jamais. Hein. Ils nous l'ont tellement fait dans le premier. Enfin, dans le premier. C'est pas la suite. C'est pas Elden Ring 2, ok? Imaginez Elden Ring avec le moteur graphique de... Et j'ai plus qu'un soin. De Wukong. Ouais, j'ai plus qu'un soin. Je vais me faire effacer. Effacer. J'ai une effigie. Ouais, j'ai une effigie. Bon, bah, écoutez, on va essayer. Hein. On va tout donner. Hein. Quand je tape au sol avec ma main, j'utilise en fait une entrave que tu as dans le jeu de base. Et ça permet de révéler les murs cachés. Et de désactiver les pièges. Entrave de Mog ou entrave de Margit, pardon. Ouah. Jory, inquisiteur en chef. Je vais me faire défrater. Je vais me faire défoncer. Oh putain, je l'ai ça moi. Voilà, putain, c'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec? C'est Joris. Va bouger. Mais non. J'ai plus de soins. Ah! Je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu, je veux pas savoir. On va voir. On peut le backstab! Incroyable, ça va causer ta perte, mec. Sacré Joris. Je me fais voir des merdes et des pas mûres. Ah, LED. Oh putain, j'ai failli l'avoir avec un soin, quoi.
musique. Ouais, mais les arcs crudiques, je les économise là, parce que franchement, j'en consomme trop et je les économise à fond. Économise arcs crudiques. Bon, on va l'éclater du coup, c'est parti. Je pense que le feu veut lui faire du mal. Pour le purifier. Ah, tu crois que c'est le personnage qu'on voyait dans le trailer? Je vais prendre un soin. Enfin, la magie. Ça, c'est le pire, ça. Et merde. Ok, ça fait des dégâts quand ça fait ça. C'est un porte-manteau. C'est un porte-manteau, putain. À l'aide. C'est quoi ce truc qu'il invoque là? C'est trop bizarre. On dirait Einstein. Mais arrête de l'invoquer. Mes runes. J'ai oublié. T'as un collègue qui t'a dit merci quand t'as dit bonjour. Des fois, il y en a, ils sont bizarres. Bon, ben voilà. C'était Joris. Oh, bâton lance barbelé. Porte-manteau, quoi, en gros. Bâton porte-manteau. Le bâton lance porte-manteau. Ah, c'est comme un track vipère. Accumule saignement. Mais alors, c'est quoi les stats? Je peux pas le porter, ça? Dex 18. Putain, j'ai pas assez de dex, moi. Quelqu'un veut poser son manteau? Hein? Quelqu'un veut poser son manteau? GG Joris, quoi. Au moins, il est poli, ouais, c'est ça. Moi, quand on me dit merci, je dis bonjour. Merci, bonjour. Ah ouais, j'ai pas mal de runes. T'as, ben, je peux monter la dex un peu, parce que je vois que je suis un peu embêté pour porter des armes à cause de ma dex. Un monde d'armes s'ouvre à moi, là. Un monde entier. Le monde entier est en dextérité. Oh, il y avait ça là, le fouet à dents. Faut plaquer pour jouer ça, hein. C'est faux. MDR, attends, je te lance mon manteau. Attrape-le sur le porte-manteau. Hop là, mais c'est ça, ça fait trop ça. Cette arme, j'ai trop envie de la tester quand même. C'est quand même scalé sur la foi et j'ai 39 en foi. Attends, mais ça m'ouvre les portes d'un nouveau monde. J'ai pris le feu. Mais oui. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Des bisous YouTube. Ciao ciao. Meilleure fin de vidéo pour la rétention d'audience. Bisous.